Bon, sinon, toi, Chiara, donc je sais que bah, tu es très douée en chant, notamment, mais tu danses aussi, tu aimes beaucoup ça. Et quelle chorégraphie tu as trouvé la plus difficile? Oula, franchement, j'ai adoré Eyamo. En plus, il fallait danser en même temps dessus. Et c'était une langue complètement différente de ce que j'ai l'habitude de chanter. C'était du turc et en plus, il y avait un petit accent du nord. Donc, je t'explique même pas la galère parce qu'en plus, on devait prendre des cours un peu avec Anaïs, la fille avec qui je chantais pour qu'on chante correctement, etc. Et franchement, avec la coordination des mouvements et... Fallait tout synchroniser, c'était compliqué. Franchement, t'es bien plus forte que moi. Et ouais, franchement, il manque d'expérience au niveau de la danse, donc j'espère y arriver un jour. Oh, mais t'inquiète pas pour ça, mais je suis d'accord que Yamo, on a découvert une nouvelle culture, puisque c'est du turc qu'on ne connaît pas du tout, donc c'était assez compliqué de se mettre dans cet environnement, mais franchement, c'était génial et t'as de très bonnes bases en danse, donc continue comme ça et tu vas y arriver. Oh bah merci, c'est gentil. En tout cas, moi, ça me fait penser à une chanson. Donc, je propose qu'on remercie les jeunes qui vont nous faire écouter la science et la connaissance. Donc, franchement, j'ai hâte d'écouter ça. Et puis, à tout de suite pour écouter cette fabuleuse chanson. À tout de Salut! suite! L'obscurité s'efface et que le savoir prend place.